a toujours un train qui part quelque part, il y a toujours une gare, un couloir sans fin, un quai de chagrin quand on se sépare. Quand on casse un verre, on dit qu'un marin vient de se noyer. Les amours brisés vont se naufrager dans l'océan des adieux. Un voilier blessé vient de se coucher sous les coups du sort. Une machine qui a été construite en 1917 en Angleterre sur plan français et qui était destinée à l'ALVF, l'artillerie lourde sur voie ferrée, pour la Première Guerre mondiale. Donc elle est arrivée en France vers la fin de la, Première Guerre mondiale, pardon. Et puis ensuite elle a continué sa carrière dans différents réseaux, dont le réseau de l'Est, avant d'être transformée en réseau SNCF. Et puis elle a terminé définitivement sa carrière à SNCF en 1974 à Sarreguemines, dans l'Est de la France. Voilà. Et après, elle a fait une carrière privée. Et notamment sur la ligne Anduze-Saint-Jean-du-Gard dans les Cévennes, avant de retrouver le réseau SNCF en 2022. Nous sommes le GADEF, le groupement d'aide au développement et l'exploitation des chemins de fer touristiques. Et cette année, on va circuler autour de Clermont-Ferrand. On va faire des trains autour de Clermont-Ferrand. Le tout pèse 149 tonnes. Ça, c'est le régulateur, c'est l'accélérateur. Ouais. Et ça, c'est la marche, c'est l'équivalent de la boîte à vitesse. D'accord. Donc vous faites comme une voiture, vous mettez du gaz dans les cylindres, ouais. Et ensuite vous jouez avec la longueur de course du piston, comme si c'était une boîte à vitesse. Voilà. Donc vous démarrez avec une course très longue, et puis petit à petit vous la ramenez. D'accord. Comme quand vous changez les vitesses sur votre piston. Sous-titrage Société Radio-Canada.